Salut, salut, bienvenue, c'est Seb, on se retrouve donc pour une vidéo sur Gran Turismo Sport. Donc on est sur le Nürburgring, c'est la manche 29, donc l'avant-dernière manche du championnat de Manufacturer Series. Alors, j'ai toujours ma M6 BMW et je me suis qualifié, si je ne me trompe pas, 16e. Je pensais être bon, je pensais faire un bon chrono et au final c'est assez serré. Malgré tout, j'ai à peu près, je crois, une seconde et demie d'écart par rapport au meilleur. Donc, il y a des petites choses que j'ai peut-être pas compris, ou je sais pas, la bagnole est peut-être pas adaptée au circuit. Bref, le fait est que je suis très 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 loin. Donc, c'est la deuxième course que je fais avec mon nouveau, entre guillemets, setup, plutôt mon nouveau playseat. Donc, c'est pour ça que ça va peut-être un petit peu varier mes points, mes repères, moi, au niveau du freinage ou de ma vision, parce qu'en fait mon écran est resté sur mon bureau. Bref, dès que je peux, je vous ferai une petite vidéo de mon setup pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je suis assez content du résultat, mais on parlera de ça dans une autre vidéo. Donc je disais 16e, j'ai peur en plus que je vais démarrer au mauvais endroit, donc au niveau de la chicane. Voilà, c'est assez compliqué. J'espère que ça va être mieux que sur la Nations Cup que j'ai faite hier. Donc je sais pas encore quelle série je vais vous proposer en vidéo. Donc, là on est mercredi, on sera soit jeudi ou vendredi, on verra bien. Donc voilà, vous voyez, je suis 16e, une seconde 6 d'écart avec le premier. Je suis encore plus loin que ce qui était prévu. Bon, à ma décharge, il y a également la NBM derrière moi, donc peut-être qu'elles ne sont pas adaptées. Bon, on trouve une excuse là où on peut. Bref, on continue à parler une fois que la grille est terminée et on se retrouve pour le départ. Voilà, donc on se retrouve pour le départ et vous voyez, j'ai mis en cam mon pédalier. Donc on va essayer de parler un petit peu. Pédalier pour lequel effectivement je ne vous ai pas fait non plus de retour, mais j'ai pas eu de demande par rapport à ma précédente vidéo où j'en parlais. Donc peut-être que ça n'intéresse pas plus que ça. Donc on va partir pour 9 tours. Fail, vous l'avez vu je pense en direct, je me suis complètement loupé au niveau de la vue arrière, donc on va essayer de protéger. Alors qu'il y a déjà un drapeau jaune, donc il y a déjà dû avoir du grabuge. Ça m'était jamais arrivé, ça, ce fail. Alors, je sais pas si vous le verrez au montage, deux boutons. La peau jaune, alors j'ai pas été très bon au qualif, mais la course c'est autre chose, on verra bien. Neuf tours, il y a de quoi faire, il y a de quoi perdre, il y a de quoi gagner, bref, comme dans toutes les courses. De la chaîne, je pense que je vais alterner entre certainement les vidéos Gran Turismo et PC. Parce que je suis pas convaincu que ce soit le même public. Je suis un peu à la traîne. J'essaie de me faire le freinage, j'espère que ça va bien se passer. Oui, Sophie, c'est encore un fail ça. Regardera au niveau de la consommation ce que ça donne un peu plus tard.
désolé, je parle pas beaucoup, j'essaie de me concentrer. Accélérer bientôt ici, pouvoir profiter de la longue ligne droite, se protéger de derrière, parce que sinon je vais me faire avoir comme il a fait au précédent au freinage. Oh, c'est un cut ça, non? Oh putain, c'est pas un cut ça. Ah, je connais pas encore tous les track limites de chaque piste, mais là clairement monter comme ça c'est juste énorme. J'essaie de faire un petit peu de freinage dégressif. On tient le rythme, mais on n'est pas forcément plus rapide. Faut pas que je m'éloigne de trop pour profiter encore de la spi, sinon ça va être très compliqué. Allez, bon passage là ici, on gagne du temps. Ah, les 3 secondes là, ça fait mal. Fais pas prendre des pénalités toi. Et puis j'ai même pas vu, c'est un Français. Putain, mais c'est pas possible. T'as 3 secondes de pénalité, tu vas me faire chier, regarde-moi ça toi. Mais c'est sérieux. Ah oui, un dégage. Hein. Ça c'est dingue ça. En plus, il a bien vu que c'était un Français derrière lui. Il me bloque encore. Une espèce de couillon. Ah si, c'est dingue. Bref, passons à autre chose.
quasiment la mi-course, le carburant c'est tranquille, donc on va rester comme ça. Ça va être complet. Allez, l'aspi là, on descend sous la seconde normalement. Mais derrière, il me semble qu'au freinage, il était bon. Donc il va revenir vers moi, bah, sur moi en tout cas. Ouais, pourtant j'ai freiné tard. Allez Seb, on va passer à la mi-temps, il va falloir accélérer un peu là. Je suis rentré dans le top 10. Ah, derrière elle est plus rapide avec sa Mercedes. Comme je peux, mais je me mets un petit peu en difficulté, j'ai l'impression. Ouais, ça sort légèrement devant. En tout cas, au niveau des points. J'en prends, ça c'est déjà pas mal. Surtout taper personne. Oui, appel de phare, oui. Bien, pousse-moi. Je vais te pousser au freinage hein, si tu veux jouer à ça. Allez, légère dérive ici. Faut garder le train. Donc il me semble compromis. Hein. Il y a vraiment du niveau. Bon, je pense qu'il y a des techniques de pilotage que je ne maîtrise pas. Ça, c'est évidence. L'avantage, c'est que c'est assez regroupé quand même. Donc bon. À perdre en efficacité. Choisis ta ligne. Je pense que vous avez vu, il a coupé. Il a pris sa trage comme si j'étais pas là, tranquillou. Voilà, si je passe bien, je peux peut-être le faire en freinage. En tout cas, me montrer. Ah, je suis déjà là. Je cherche pas. Me pousse pas. Oui, c'est bien vu ça. Oh, puis c'est quoi ce monde devant? Allez, 3 tours.
tout seul, c'est un peu compliqué, mais quand t'as du monde comme ça. Bon, ça a l'air d'être des violents. C'est maintenant qu'il faut gérer. Allez, un Français derrière. J'espère qu'on n'a pas trop entamé les pneus. Putain, je l'ai vu que j'avais freiné un peu tard. Allez, freinage important. Voilà, tout ça pour faire ça, ma putain, voilà. Allez, dégage. Non mais les gars, vous êtes sérieux quoi. Allez, je me prends 2 secondes. Espèce de con. Hein. Putain, vous êtes sérieux les Français, vous êtes des bras cassés. Toi, choisis ta voie, toi. T'as aussi 2 secondes. Ouais, ça m'énerve des comportements comme ça, mais. Surtout entre Français. Alors, on est là pour la gagne, c'est sûr, mais. C'est à cause de gars comme ça que après tu deviens pas forcément propre. T'as envie de. Pour te venger. Un tour après. Refais-moi pas la même, grand. Refais-moi pas la même. Ah, j'étais obligé de le prendre salement ce virage, cette chicane, hein, parce que. Pénalité là-bas devant, je sais pas, 1 seconde, je crois. Pas la rouille avec mes pneus là. Il va falloir se méfier.
Ah, ça va être chaud là. Ça va, il a lâché, il était à l'extérieur de toute façon, donc je me suis serré. De toute façon, au niveau des courses, de toute façon, comme je l'ai dit en début, je vais alterner. Donc, je vous mettrai la meilleure, peut-être pas forcément le meilleur résultat. Mais celle-là, il y aura un peu plus d'action, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il va me faire le freinage derrière? Putain, tu le passes comme un salopard, ça. Alors c'est pas une bonne place, très honnêtement, regardez-moi ça, ça se pousse là-bas comme des gosses. C'est pas une bonne place, je suis pas forcément très content de mon résultat. Je suis encore moins content du comportement des Français. Franchement, on dit qu'il y a des cons partout, mais ouais, il n'y a pas que... J'ai souvent cité les Espagnols, mais clairement, j'ai pas été aidé. Hein. Par les deux qui étaient là présents, franchement déçu. Donc voilà, je marque quand même des points, c'est pas le propos. Désolé si je vous mets pas les points avant et après, mais j'ai encore des soucis avec mon application. J'ai vu où ça se trouvait, mais malheureusement, voilà, j'ai des petits soucis de synchro. Donc il faut que je regarde tout ça. Voilà, on marque ça contre 60 points, je pense pas clairement que je vais être retenu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course dans les commentaires. Et on se dit à une prochaine. Salut, ciao, ciao!